I work hard every motherfucking day, yeah, yeah, yeah. I work hard every day, yeah, yeah, yeah. Yeah. But today is my... Salut à toutes et à tous, c'est Snapchat Julio. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Pourquoi ? Bah, c'est sur Fortnite, mais pourquoi je la fais sur Xboxon ? Pourquoi je la fais pas sur le PC ? Bah, je vais vous dire un truc. C'est qu'en fait sur l'Xbox One maintenant ils ont sorti un nouveau truc, c'est vraiment génial. C'est pour la nouvelle commande des manettes. Voilà, du coup en fait je crois que tout ce qui change en fait, c'est que là dès que tu te mets en mode construction, bah, tu peux te mettre accroupi. Alors que normalement quand tu appuies sur le joystick, ça tournait la construit. Et bah là pour la tourner, bah, j'ai mis la croix d'en bas. Et du coup bah, après bah, pour modifier la construit, j'ai mis la croix de droite. Bon après c'est tout ce qui change. Là vous pouvez changer encore plus de trucs, mais là vraiment on peut mettre la touche qu'on veut à chaque action. Ça c'est vraiment génial. C'est comme un peu le clavier souris là, t'as des raccourcis. Et plus ils ont mis un nouveau mode de jeu, c'est domination disco, t'as la vie illimitée. Et plus genre bah t'as 5 points et tu dois capturer des points. Bah c'est comme un peu la domination de Call of pour les joueurs Call of, quand tu dois capturer les points. Et que genre après bah que t'accumules des points et qu'il faut arriver jusqu'à 200. Enfin là sur Fortnite c'est 100, t'as juste arrivé à 100. Oula, par contre ma Xbox One elle change beaucoup, j'ai peur j'ai peur que ma console s'éteint. Parce que du coup là il fait chaud, ça risque de s'éteindre, enfin j'espère pas. Et plus aussi maintenant on peut modifier nos propres parties de terrain de jeu. On peut vraiment, regarder, on peut changer le bouclier et tout. Genre tu peux mettre que tu joues à un PV, tu peux choisir genre les dégâts de chute et tout, tu peux vraiment tout choisir. Et là ils ont fait un bon truc. Et plus ils nous ont mis le skin de la saison 1, le skin le plus rare, soldat du crâne, le Scout Trooper. Oh là là, ah, moi je l'ai acheté direct. Après aussi, bon après j'aurais aimé aussi qu'ils mettent le skin zombie, mais après ils ont mis le skin squelette en femme. Après plutôt pas mal aussi, mais voilà quoi, je suis pas trop fan. La pioche, j'adore, sincèrement j'adore. Après, et j'ai vu là, ils ont mis genre le. Enfin, genre, c'est comme les skins corbeau au niveau du corps, mais sauf que là, ils ont mis une tête de citrouille, j'ai pas trop compris le délire. Putain, n'empêche, il est classe. Hein. Moi, normalement, j'aime pas trop ce genre de skin, mais avec la tête de citrouille, avec les flammes bleues là, oh là là. Qu'est-ce que tu dans ce. Ah oui, attends, au fait, pour mon skin squelette, regardez, je peux le mettre soit en blanc ou soit en vert. Après aussi il est même en bleu, mais sauf que moi je l'ai pas. Pourquoi je l'ai pas? Mais parce qu'en fait pour ceux qui voudraient l'avoir en bleu, et ben en fait ce qu'il faut faire, c'est qu'en fait il faut aller l'acheter à la saison 1. Pour ceux qui ont commencé à jouer à la saison 1, moi j'ai que commencé à jouer à la saison 2, du coup voilà, du coup je l'ai pas pu acheter. Et moi après j'avais pas acheté de passe de combat saison 2, j'avais rien acheté à la saison 2, rien à la saison 3, c'est qu'à partir de la saison 4 que j'ai acheté des trucs. Bon bah allez-y, bon bah c'est parti les amis, on va faire un petit domination disco. Allez essayez ça, c'est bon ça. Bon voilà, je vais quand même arrêter de parler, je vais quand même me concentrer, ça serait déjà pas mal. Bon allez, j'espère de bien faire des kills là, parce que là mec, là on est en domination, du coup c'est la vie illimitée quoi. Allez, on va essayer de faire du kill là, on va essayer de faire du carnage. Merde, putain j'ai tiré comme un con. Putain mais moi j'ai trop. Eh mais en fait là d'habitude moi je suis joueur manette, mais là j'ai l'impression que j'ai trop pris l'habitude du clavier souris. Putain mais ma précision bordel. Non. Oh mais j'y crois pas. Mais tout mec, je l'ai pas tué. Mais c'est une blague. Oh là. Eh mais c'est très décevant par contre. Attendez, je commande. Wouah la co. Wouah la co. La co. D'accord, pas grave, j'ai quand même tué. What? Mais d'où je suis mort? Putain mais mec, attends. Voilà. Attends. Putain mais. Putain mais j'ai pas de snipe bordel de chi. Non. Putain mais pourquoi je lui ai pas mis dans la tête? Putain j'aurais pu le one shot direct. Putain mais je sais pas ce que j'ai, mais je joue comme une merde. D'habitude je joue 10 fois mieux que ça, mais 10 fois mieux. Et ouais, et nous on sait pas faire des buildings. Oh attends.
Oh, alors monsieur, ça fait quoi de se faire prendre une tête par Snapchat Lulu? Ça fait quoi de se faire prendre une tête? Ah là là! Putain, mais sincèrement, le bourlingueur, ça c'est un pistolet que je kiffe à mort, sincèrement. Que ce soit de près ou de loin, franchement, c'est vraiment génial quand même. Non, non! Putain, mais mec, j'ai pas de constru! Ça me pète les couilles! D'accord, bon, lui, je l'ai one-shot direct. Oh, sérieux? Ça, même. Putain, j'ai pas de constru, bordel de merde. Putain. Mec, j'ai pas de constru. Putain. Il me saoule. Ah. Non. Oui. Oh putain. Mais ah. Attendez, moi je suis un pro du bourlingueur, tu peux pas tester mon. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai peur de prendre une balle. Vas-y, attends, je vais grimper là. Maintenant. Putain. En fait, dans ce mode, en fait, limite, en fait, faut se faire 999 de bois, 999 de briques et 999 de fer, en fait. Pour, Et là. Wesh! Wesh! Sans 56, première game de perdu. Ouais. Bon, hé les amis, on a fait 9 kills, mais bon. C'est moyen moyen. Oh! Non mais mec, je crois que ça c'est le kill le plus loin que j'ai pu faire à la M16 quoi, je te jure, 124 mètres à la M16. Non mais l'autre il t'a fait une putain de rampe de malade quoi. Ah ouais, toi t'es comme ça toi, d'accord. Non mais il est mort dès qu'il chute. Oh là là, ce couillon il a même pas activé son planeur quoi. Putain mais toi t'es vraiment un pro. Mec, attends, ça peut être de partout. Personne, c'est normal. Putain, j'ai déjà utilisé tout ça en construit, frère. Il me reste plus que 500 et quelques bois. Putain, j'ai réussi. Putain. La bougie, bordel, elle a pas fait effet. Je veux dire, elle a pas fait effet. Putain, j'hallucine. Mais c'est tout le temps dans mon taux, mais j'en ai marre. Putain.
Quoi, 37 dans la tête, c'est une blague. Pardon, pardon. Mec, là par contre, c'est moi qui étais avant toi. Voilà. Bon, je respecte pas le game, comme tu peux le voir. Là, j'ai un peu un shoot de beau gosse. Putain. Oh là là, mais regardez-moi ce shoot de beau gosse quand même. Putain. Allez, Titi, juste avant la fin. Voilà, nickel, parfait. Justesse en vrai. Saupoudrage, what the fuck? C'est quoi cette danse? Jamais j'achèterai une horreur pareille. Allez, j'en respecte ça. Là, on va faire du solo, on va essayer de faire des bonnes games. Mais tu sais quoi toi? Mais il est sérieux? Le mec il me saute dessus. Ça va mec? Ouais, ça roule. Et toi? Ah bah nickel, nickel, nickel. Bon, je peux te tuer, hein, vas-y. Non mais limite c'est ça, t'es limite c'est. Vas-y viens copain, vas-y viens, je t'offre un café. Wesh! Il y en a deux qui vont me tirer dessus, je crois pas quoi. Wesh! Mais putain! Mais c'est pas vrai! Bon les amis, la vidéo va s'arrêter ici. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à lâcher un like, t'abonner à ma chaîne, laisser des commentaires. Et ne t'inquiète pas, je vais te mettre un beau gameplay à la fin de ce montage. C'est une de mes plus belles parties que j'ai dû faire. D'ailleurs, j'ai même fait une victoire royale avec 300 de ping. Pour te dire, voilà quoi. Bon du coup, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à lâcher un like, t'abonner à ma chaîne, laisser des commentaires. Moi je vous dis ciao tout le monde, c'était SnapShotPlus. Peace!